Monsieur le ministre, vous venez d'accompagner le président de la République à Xi'an, Pékin et Shanghai pendant 3 jours. Vous-même avez déclaré « Nos interlocuteurs chinois préfèrent la formule gagnant-gagnant, pourquoi pas, dites-vous, à condition que ça ne soit pas le même qui soit 2 fois gagnant. » Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Je suis très heureux d'être parmi vous pour évoquer les relations entre la France et la Chine, relations dont vous êtes, à un titre ou à un autre, les acteurs dynamiques. Je crois que c'est très important qu'il y ait un lieu de rencontre, un lieu convivial qui fasse en sorte que tous les acteurs qui souhaitent un renforcement de la relation entre la France et la Chine, en particulier dans le domaine commercial, puissent échanger et écouter des intervenants. Donc c'est un très beau lieu.汇集了法国在商业工商界的精英，我在这个平台上可以跟他们结识和交流。那么第二个感觉呢，就是说法国工商界对中国的合作非常的热情，也非常的怎么说，对中国非常的重视。 Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes de différents univers. Il y a une ouverture d'esprit, j'ai l'impression, avec les différents interlocuteurs avec qui je me suis entretenue aujourd'hui. Donc il y a vraiment une mixité qui m'intéresse beaucoup. Voilà. 从法律的角度，这几年的法华商业俱乐部跟中国的企业家和中国的政策决定者有很多密切的联系。 他们呢，帮助了中国企业更好地了解法国的文化，了解了法国的法律和了解了在法国投资的管理和文化礼仪以及风控。这么多年来，法华商业俱乐部呢，它一直致力于跟中国的企业家紧密建立一个互信、互助、互动。 的联系，而且呢，大多数活动呢，深深得到了中国企业家的信任和支持。